Yeah, good morning, everyone. I'm Dan Sullivan. I'm one of the programmers at Film at Lincoln Center, and I'm joined today by Guillaume Brock, the director of L'Abordage, which you all just saw. So we're going to discuss the film a bit. Welcome, Guillaume. Thank you. Hello. We can begin by maybe talking a bit about the kind of the sort of lineage that this that I think L'Abordage kind of hails from. It's almost like it's something like an update of the kind of vacation film, tradition. I think here at least we kind of associate with like. Certain films by Eric Rohmer or Jacques Rosier. But I think it's different here because your previous film was actually a documentary about much the same subject matter. So maybe could you just tell us a bit about your kind of attraction to this this setup or this scenario, the kind of vacation film? C'est vrai que la plupart, et je dirais presque même la totalité de mes films, se déroulent pendant des périodes, alors pas tous pendant l'été, même si beaucoup se déroulent l'été, mais en tout cas tous se déroulent pendant des espèces de parenthèses, enfin qui peuvent être des vacances ou en tout cas un moment un peu de parenthèse, un peu suspendu, en tout cas un moment qui arrache les personnages à leur quotidien, à leur environnement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'excite toujours beaucoup de raconter comme ça, assez précisément et assez intensément, quelques journées, durant lesquelles il se passe à la fois pas tant de choses que ça, en tout cas rien de fondamental, et à la fois... Ou parce que les personnages sont loin de chez eux, parce que les personnages sont disponibles et ouverts à la rencontre, et ben en fait, ils peuvent vivre des bouleversements intimes et en fait, voilà, ils peuvent leur existence peut prendre un tour différent, même si tout ça ne passe que par des petites choses, que par des rencontres, que par l'accident. Voilà. It is true that most, if not all, my films are set not during summertime, summer holidays, but in a time that is somehow suspended into a parenthesis, in a way, a vacation, but far from the daily routine of a house that you leave most of your time and of an environment that you're familiar with. And really, it excites me a great deal to tell the feelings and with precision and intensity of days where nothing special happens, but just the fact of being far from a familiar environment and from your home, the home you usually live, opens up my characters to an experience that can occur or cannot occur, and a sort of intensity of emotion that emotions get can be upsetting in a way and can lead to a turning point in their lives. It can be something very little, an accident, a casual encounter, something that might change your life. Well, then I'd like to follow up by asking about the environment where the characters spend where they go and where they spend most of the film. This setting or location in the south of France. Could you tell us a bit about that setting? How you sort of what drew you to it, and kind of what the significance of it is for you. Eh bien, disons que j'ai toujours eu besoin que le lieu où je tourne mon film soit un lieu avec lequel j'ai
un rapport affectif, un lieu dans lequel j'ai personnellement vécu des moments voilà, importants dans ma vie. J'ai beaucoup de mal à filmer un lieu dans lequel j'ai rien vécu du tout, en fait. Et j'ai généralement besoin de connaître le lieu avant même d'écrire l'histoire. Et c'est souvent le point de départ de mes projets. Il se trouve que le lieu, donc la Drôme, cet endroit dans le sud de la France, c'est un endroit que je ne connais pas depuis très longtemps, mais où je suis allé à plusieurs reprises les 2 années qui ont précédé le tournage. Et il se trouve que c'est là-bas que j'ai appris que j'allais avoir un enfant, père pour la première fois de ma vie, et ce qui était évidemment un bouleversement intime assez immense. Et en fait, voilà, ce lieu a pris une sorte d'aura un peu spéciale, un peu magique, et j'y ai beaucoup repensé. Et en fait, presque naturellement, je me suis mis à écrire l'histoire dans ce lieu-là, avec en plus l'idée dans un coin de ma tête que ma fille, qui était née entre-temps, pourrait être dans le film et qu'on pourrait du coup retourner ensemble là-bas. Donc en fait, j'ai filmé ma fille, et puis l'été d'après, encore une fois que le film a été fini, on est retourné passer des vacances sur les lieux du tournage. Donc voilà, c'est un lieu maintenant très important pour moi. Voilà. It is true that I need to have lived in a place in order to be able to use it as a location for my films. I need to have developed an intimate connection. I need to have lived there, something that is important for my feelings and my emotions. I would have really a hard time in shooting a film in a place that I'm not familiar with. And very often it is the location itself that is the starting point for developing a story. And in the case of this area in the south of France, La Drôme is a place that I only recently discovered. I went there a couple of times in the two previous years to the shoot, and it's the place where I learned that I was to become a father for the first time in my life, and therefore it was, you know, the backdrop and the theater for a revolution, a personal revolution of mine and of my private life. And it took a sort of magic aura, so much so that when I was writing the story and decided to set it there, I thought that maybe my little girl that had been born in the meantime could be able to act in the film and therefore go back to where her origins are, so to speak, which is what I did. You know, she's in the film, and we managed to go back there for the shoot and for holidays after. You brought up the writing of the film, the kind of the genesis of the narrative in the film, and it might, yeah, and it sounds like it came about from this encounter with this sustained encounter with the location, but it's all, one also has the sense that the narrative probably also emerged from your encounter with the actors who you cast in the film. It has this it has a very remarkable ensemble cast, and I believe they're either students or recent graduates of the National Academy of Dramatic Arts. Is that correct? Oui, en fait, évidemment, je parle du lieu, mais le vrai point de départ du film, c'est la proposition qui m'a été faite par la directrice du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, donc qui est une grande école qui forme des comédiens, plutôt des comédiens de théâtre, mais aussi des comédiens de cinéma. Et ce qui m'a été proposé, c'est d'écrire un film de fiction pour eux, pour une douzaine d'entre eux, qui pour la plupart n'avaient jamais fait de cinéma et n'avaient pas véritablement d'expérience du jeu devant la caméra. Et j'avais à peu près 1 an devant moi pour les rencontrer, pour travailler avec eux. Enfin, déjà pour en choisir un certain nombre, parce que je devais en choisir justement une douzaine parmi
une promotion de 30 étudiants. Et j'ai vraiment écrit le film pour eux. Et le film est, je dirais, quelque part à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, parce que j'ai été très, très nourri par les rencontres. Enfin, j'ai rencontré, évidemment, collectivement, mais aussi individuellement, chaque acteur. Chacun m'a raconté beaucoup de choses sur sa vie, sur son parcours, sur ses amis, sur son rapport à la politique, sur... bon, il y a évidemment ce dont on parlera aussi, la question qui concernait Salif et Eric de la couleur de peau et du fait d'être un comédien noir dans le cinéma français, par exemple, et comment les personnages noirs sont représentés dans le cinéma français. Donc, ça, c'est des choses dont on a beaucoup parlé ensemble aussi. Et donc, oui, tout est évidemment parti de ces jeunes gens, mais aussi du lieu. Voilà. De toute façon. Donc, j'ai écrit le scénario en sachant qui allait jouer et en sachant où ça allait se tourner. Yes, indeed. Well, I mentioned the location, but indeed the starting point for this film has been the proposal that was made to me by the director of the Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique in Paris, that is a school that trains actors. Most of them are thespians, are theatre actors, but also cinema actors. And I was asked to write a narrative film for 12 of them. So I also had to select them in order to allow them to have their first experience in front of a camera, which they never had before. So first of all, I had to choose 12 out of 30, and I had to basically to write the film for them. And the film, which is half fiction and half documentary, is indeed very much built and fed by the encounters that I had with each one of them individually and also as a group. And in the individual encounters, they talk to me about their lives, their experiences, their friends, the politics, all kind of issues and subjects, and also the color of the skin in the case of the black actors and the place that a black actor has in the French cinema industry. So the film is indeed the mixing and the meeting point of a place and of these young actors. I'd like to talk a bit about, or to focus a bit on this the kind of political dimension of the film, particularly since it sounds like it came about through your collaboration with the actors. The film politics in the film are very, very interesting. I think there are many, many kinds of tensions or what have you are present, although they're handled in this very, it's not like a I don't know, you handle everything quite differently, I think, than perhaps we've seen in other films that are invoking like a class, race, generational conflict, perhaps like geographic tension between like the city and the countryside and so on. But I was just hoping we could get into a little bit like what these political questions that you were sort of working through with the cast were like. As I said, class enters into the film. Alma, the girl they pursue to the countryside, her family seems quite bourgeois. Her friend mentions working in banking, and she's accused of being quite right wing by one of the guys. But then and race is present throughout, of course. The generational conflict is the older generation is mostly absent, but I think anyone who sort of knows any people around the age of the actors in the film would know that that is
operative as well. So maybe could you just talk a bit about how, about the derivation of the kind of political dimension of the film? Bon, je pense avoir à peu près compris la question. Peut-être que quelques subtilités m'ont échappé, mais en effet, sur la dimension politique du film, bon, de façon générale, je crois que tous mes films jusqu'ici ont d'une manière ou d'une autre traité de la rencontre entre des personnages issus de mondes un peu différents. Bon, alors, ça peut être en effet la province et Paris, une grande ville. Ça peut être aussi d'ailleurs les rapports entre les sexes, entre les incompréhensions, les tensions, les malentendus qu'il peut y avoir entre hommes et femmes. J'ai aussi récemment parlé plus de la question de la banlieue à travers l'île au trésor et puis dans ce film-là. Comment dire, ce qui était très intéressant, c'était que je me suis aperçu en rencontrant tous ces jeunes gens que le recrutement de cette école, le conservatoire, depuis quelques années, s'était assez profondément transformé et que cette école qui pendant longtemps était un peu un symbole d'une certaine forme d'élitisme à la française, avec quand même des élèves qui étaient très majoritairement, pour ne pas dire totalement, enfin, intégralement blancs et souvent issus plutôt des classes moyennes ou des classes aisées, cette école s'est transformée. Et je me suis aperçu qu'elle devenait quand même assez représentative de la société française et que en filmant ces jeunes gens, j'avais l'opportunité aussi de faire une sorte de portrait un peu collectif de la jeunesse française et de raconter à la fois ce qu'il peut y avoir de beau dans la rencontre entre ces milieux sociaux, ces mondes différents, et à la fois aussi les tensions, les frictions que cette rencontre peut occasionner, qui est quelque chose d'ailleurs dont je sais que ça existe aussi au sein même de cette école. Enfin, il y a des choses très belles et puis il y a aussi des difficultés. Et à la fois, pour moi, c'était le sujet du film, mais c'était le sujet un peu souterrain du film. Et je voulais pas que ce soit trop. Enfin, je voulais pas faire un film qui soit didactique ou démonstratif. Donc, en fait, ça vaut d'ailleurs aussi pour la question de la couleur de peau. Indeed, it's always very interesting for me to show the political aspects in a film. The political dimension of a film is always crucial in all the films that I've made so far. And there's always an encounter between characters that come from different background in terms of social and political background. It can be the difference between the countryside and the big city like Paris. It can be the different tensions and misunderstandings that can occur between men and women. It can be the outskirts, the banlieue, and the downtown of a city. And also, while meeting these kids, the students that attend the conservatory, I realize that it's somehow a mirror of the changes that are occurring, in the sense that this school, the Conservatoire, has been in the past the sort of symbol of the elites. You know, it was attended very much by white-skinned, middle-class, bourgeois students, whilst now it has a more mixed attendance by students, and it mirrors the social relations in France that are at that point representative of what is the collective portrait of youth in France. And it has its beauties and also its tension. You know, when two different environments meet, something very beautiful can occur,
but also tensions and frictions. And I know that those same tensions and frictions that exist in real life also exist within the walls of the school that they attend. However, I wanted the political aspect to be somehow an undertext in the film. You know, I didn't want the film to become didactical or, you know, just to deal with this issue in the forefront, but I wanted it to be there anyway. Oui, oui, justement, bah, sur la question raciale qui est assez importante dans le film. Enfin, je pourrais donner un exemple. C'est quand j'ai rencontré le comédien principal qui s'appelle Eric Nguyen Chuang. L'une des premières choses qu'il m'a dites, c'est que lui, son livre préféré, et qu'il rêverait un jour de jouer sur une scène de théâtre, par exemple, c'était Les souffrances du jeune Werther de Goethe, et que même au cinéma, il adorerait jouer une histoire d'amour, jouer un amoureux transi, mais qu'il savait, il le disait avec une sorte de lucidité, de fatalisme, qu'il avait toutes les chances de se voir proposer des rôles de dealer de banlieue ou de vigile de supermarché et que c'était un peu triste, mais que voilà, c'était un peu la réalité du cinéma français. Et je pense que ça m'a vraiment, évidemment, ça a résonné en moi et ça m'a donné très envie justement de lui écrire ce rôle d'amoureux transi dans le film. On a aussi beaucoup parlé avec lui et avec Salif Cissé justement de cette question de la couleur de peau, du fait d'être un personnage et un comédien noir dans le cinéma français. Et en fait, eux pensaient que ça ne devait même pas être, que ça ne devrait dans un monde idéal même pas être une question, même pas être un sujet. Et à la fois, j'étais d'accord avec eux et à la fois, je leur disais que. Que quand même, c'était pas possible de totalement faire abstraction de ça, et que en 2020 ou en 2019 dans la société française, le fait d'être noir quand on rencontre une jeune fille blanche, le fait de partir en vacances dans un camping au cœur de la France où on est les seuls à avoir cette couleur de peau, quand même, c'est ça n'est pas totalement anodin et qu'il fallait qu'on trouve ensemble un équilibre dans le film, ne jamais en faire un sujet véritablement, et que plus le film avance, plus en fait on cesse même de se poser cette question-là, et à la fois que quand même cette question-là teinte les rapports entre les personnages, mais sans jamais que ce soit ouvertement formulé par qui que ce soit, mais que ce soit quelque chose qu'on sente, voilà, dans... peut-être pas tout au long du film, mais en tout cas dans tout le démarrage du film, évidemment que la relation avec Edouard, le jeune chauffeur Blablacar, par exemple, leur chauffeur, bien sûr que le regard qu'ils portent sur eux au départ est certainement teinté par le fait qu'ils sont noirs, et que lui s'attendait à avoir deux jeunes filles dans sa voiture, et puis il se retrouve avec deux hommes, et en plus deux hommes noirs. Évidemment, il ne le dira jamais et ça n'est jamais formulé, mais c'est quelque chose qui existe. Et certainement aussi que la relation sentimentale avec le personnage d'Alma, ça n'est pas non plus anodin que Félix soit noir. Et à la fois, ce qui est très beau, c'est que je pense que progressivement, on l'oublie complètement, cette question-là, et que quand le film se termine, finalement, on aura passé une heure et demie avec deux personnages noir, ce qui n'est pas si fréquent dans ce type de, en tout cas de cinéma-là, et qu'en fait ce sera devenu un non-sujet lorsque le film se termine. Yes, I wanted to conclude my answer in dealing with the racial issue that is present in the film. When I met Eric Nguyen Chuang, one of the actors, the protagonist, there's something that we discussed, that is the fact that he said that his favorite book is The Young Werther Sufferings by Goethe. And he dreamt of being able to play the role of young Werther, both in theater or in cinema.
and saying, however, I'm fully aware that my fate will be more likely to play a drug dealer in the banlieue or, you know, a sort of guard in a supermarket, which is sad, but it's true somehow. And still today in French cinema, that is the situation, which shouldn't be like that in a way. And I was very happy to be able to write the role of these two black boys as if the color of their skin were not an issue. I mean, it is an issue, but it's not something that is openly discussed in the film. I wanted the fact that nowadays we're living in the 21st century, and ideally, in the perfect world, it wouldn't be an issue at all, both in our normal life and in theater and in cinema. But it's impossible to not to for it to be an issue in a way. And we decided, I decided whilst making the film, that it was it had to become natural, as it should be natural in our life, you know, for a black boy to have a relation with a white girl. It's something that occurs all the time. There has to be a very delicate balance in the film, although it's not so ordinary, as it's not ordinary, it's not normal, it's not natural for two black boys to be camping in the south of France in that kind of context. And we know that she's a sort of middle class, it's even stranger. And this is also at the base of the tension and friction that exists in their relationship, but it's not openly said, as it's not said in the beginning when they're looking for the car sharing opportunity to get to the camping, and Edward is expecting two white girls and he meets two black boys. That's something that we see in his face and in his reaction. That is because they also because they're black, not only because they're boys and he was expecting girls, but it's something that is not openly said. My wish is for the audience to see this film and 90 minutes afterwards saying that there are two, well, thinking that there were two black boys and that was not an issue. Since we're almost out of time, I wanted to talk about your collaboration with your cinematographer. I think the camera work in the film, or the cinematography in the film, is quite nimble. I think by design to kind of match the perhaps some of the spontaneity and so on of what the characters are going through. But it also occurred to me that the fact that you just made a documentary perhaps entered into sort of your visual conception of the film. So maybe, and I think you'd worked with this cinematographer before on Tonnerre, I believe, right? J'ai travaillé avec Alan Guichawa, le chef opérateur, sur Comte de Juillet. Et il était assistant caméra sur Un monde sans femmes et Tonnerre. Donc voilà. Right. Oui, alors pour répondre à la question, à votre question, il y a plusieurs choses à dire. Certainement que le fait d'avoir tourné L'île au trésor, ce documentaire, 2 ans auparavant, a eu une influence sur la mise en scène. Très tôt, j'ai dit à Alan, mon chef opérateur, que je voulais travailler avec des échelles de plans assez larges. Très très peu de gros plans et finalement assez peu de champ contre champ, mais beaucoup de plans qui réunissent 2 ou 3 ou parfois même plus de personnages et d'essayer en fait de capter les interactions entre ces jeunes acteurs et ces personnages d'une façon presque documentaire, en leur permettant d'ailleurs de à certains moments d'improviser un peu sur le tournage, sachant d'ailleurs qu'il y avait eu tout un travail en amont du tournage
aussi d'improvisation qui a nourri beaucoup l'écriture des scènes. Et je souhaitais aussi que les personnages et les acteurs soient intégrés au maximum à leur environnement, c'est-à-dire à la vie de ce camping qui continuait à fonctionner en plein mois d'août pendant le tournage du film, qu'il puisse y avoir comme ça des enfants qui jouent dans la rivière à côté des acteurs, que les plans soient traversés par la vie et que finalement chaque scène vise presque plus à capter un moment, un bloc de temps ici, là, maintenant, dans le lieu où on tourne, capter la lumière, capter l'atmosphère, etc., plus qu'à raconter quelque chose de précis. Finalement, c'était à chaque fois le moment qu'on essayait de capter, quoi. Et donc, on a beaucoup travaillé avec des plans assez longs. Il y a beaucoup de plans séquences dans le film, ce qui donnait une assez grande liberté aux acteurs. Et donc, il y a quelque chose d'à la fois assez rigoureux dans le découpage et à la fois très libre pour les comédiens. The fact that we worked on the documentary 2 years before influenced very much the mise-en-scène on this film. And at a very early stage, I told Alain that I wanted as many wide shot and master shot as possible, very little close-ups and shot and reverse shot. I just wanted to have plan séquence, sequence shot, you know, seamless one, because I wanted a kind of documentary take. There was a lot of improvisation during the shoot, but it was an improvisation that we worked upstream during, you know, the work that we did with the actor before the shoot. And I wanted them to be as plunged into the environment as possible. The life of this camping site was continuing as usual. It was August, so there were ordinary people going in and living in that camping site. And I just wanted each shot of the film to be filled with life, you know, with ordinary life. I wanted each shot to be not so much in terms of the content, the narration content in it, but as if it were a block of time in a place with that specific light and that kind of atmosphere. I didn't want it to be aimed at telling an anecdote or a story. And we did a lot of seamless sequence shots in the film to this end. I think we have to leave it there. But Guillaume, thank you very much for your generous responses and for your time and for the film, most importantly. So thank you. You're welcome. I'm sorry. I would have liked to talk longer time. I guess you figure the next time we do this will probably be in person, so it'll be easier then. Okay. Yeah. Maybe my English will be better next time. Maybe my French will be better next time. All right. Thank you. Bye. Thank you. Thanks a lot. Thank you.